Les bergers et Kyo. L'évangile selon Saint Luc, chapitre 2, versets 8 à 20. Il y avait dans ce même pays des bergers qui couchaient et Kyo gardant le berca du donzard de l'agneau. Et tout à coup, un ange du bon Dieu jadit, et la gloire du Seigneur brille tout à l'entour d'ia, et il eut un divers effray. Et puis mais, l'ange lui dit, « Ne vous affrétez pas, car je vous annonce une grande joie qui sort pour tout le monde. » Chez Cogné, dans la ville de Dovi, le sauveur, tel Christ le Seigneur, vous est né. Et neuf chiens comme qui couleur connaîtraient. Chez qui trouvaient les petits éléphants, frettaient et enfubaient et couchaient dans un conichot. Et puis, tout d'un coup, il y eut au vlange une multitude de l'armée céleste, louangeant le bon Dieu et disant, la gloire c'est à Dieu au plus haut des cieux, la paix sur la terre et bonne volonté envers les hommes. Et auprès que les anges eussent disparu d'Ovia dans le ciel, les bergers s'entredirent, filons jusqu'à Bethléem et vions le chien qui s'est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils s'en allèrent dans des hémons et ils trouvèrent Marie et Joseph et les petits éléphants qui étaient couchés dans un conichot. Et Léon vint de leur propre hière, il fit de savoir à tous les chiens qui avaient été annoncés en tort sur qui d'avait. Et tous les chiens qu'ils eurent ruis ont resté émerveillés de ce que les bergers lui disaient. Et Marie gardait toutes ces choses à lui-même en les repassant dans son chat. Et les bergers sont religieux en glorifiant et en louangeant les bons dieux de tout ce qu'il avait oui et va, tout comme v'là qu'il lui avait été dit.